Allez. Exercice 21. Le bowling, c'est facile. Alors, on considère une boule de bowling parfaitement sphérique, homogène. Ah, mais oui, on n'a pas encore fait les moments d'inertie. Ah, oui. Ah, ben, il faut rajouter 18-21. Hein. Bon. Ouais, mais on les calcule au fur et à mesure des exos, non? Ouais, mais alors justement, dans l'exo d'avant, ce serait peut-être bien qu'on calcule au moins le... Ouais, celui du yo-yo. Celui du yo-yo, quand même. Allez, on finit le yo-yo. Donc, le yo-yo, c'est l'assemblage de trois cylindres. Donc, le premier, enfin, un central de rayon R et deux extérieurs de rayon grand R. Et on cherche le moment d'inertie autour de l'axe delta ici. Comme nous le dit la définition de ce moment d'inertie, I delta, c'est la somme des M R2, donc des MI RI carré, ou RI, attention, ce n'est pas la distance à un point, c'est la distance à un axe. Donc, il faut projeter orthogonalement sur l'axe. Donc, distance à l'axe delta. Alors, le yo-yo est un assemblage de trois cylindres, tous de même axe, et on demande donc le moment d'inertie par rapport à cet axe-là. Et en fait, il n'y aura qu'un seul moment d'inertie à calculer, c'est celui d'un cylindre autour d'un axe, puis il faudra juste ajouter les trois. Donc on va faire ce calcul-là avec donc un, je vais appeler petit a, le rayon du disque. Je dis cercle, je dois dire... Ah non, je dis cylindre, ok, c'est bien. Donc j'ai un cylindre de... Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde que son épaisseur n'a aucune incidence sur le moment d'inertie ? L'épaisseur, c'est... Oui. C'est-à-dire, ça ou ça, c'est la même chose si c'est homogène. Enfin, si, ouais. Et même d'ailleurs, enfin, si c'est homogène par rapport à l'axe. Mais ça pourrait être très dense ici, mais homogène et peu dense là. Le moment d'inertie de ce corps-là et de celui-là autour de l'axe serait le même dès lors que la masse totale est la même. Parce que le moment d'inertie, c'est la somme des MI et RI carré. Tout ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a comme masse, à quelle distance de l'axe. Donc là, si vous projetez tout sur un plan, tous ces points-là là, sont à la même distance RI de l'axe, enfin petit r de l'axe. Et donc, qu'il soit là, 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 ou juste posé là, ça ne change rien. La somme de toutes ces masses fois R carré est la même que la somme de toutes ces masses fois R carré. Encore une fois, si la masse totale est la même. Ouais ? Quand vous dites rien, je ne sais pas si... Oui, c'est quoi pour présenter ? Un cylindre. Ah, ça, non, mais là, je dis que le yo-yo, c'est trois cylindres, donc je vais calculer de façon générale le moment d'inertie d'un cylindre par rapport à l'axe, à son axe. Donc, en fait, calculer le moment d'inertie d'un cylindre, c'est calculer le moment d'inertie d'un disque. C'est pareil. J'ai l'impression que c'est pas méga clair. Écoutez, je vais calculer le moment d'inertie d'un cylindre, et on va voir que ça dépend pas de H, de sa hauteur. Ok, voilà. D'accord, ok. Ok, ok. Alors on y va, un cylindre. De hauteur H, de rayon grand R, par rapport à son axe delta. Et il est homogène. Donc, le moment d'inertie par rapport à delta, par définition, c'est la somme sur I des MI RI carré pour chacun des constituants du solide.
Alors là, on a une distribution continue de masse, donc on va remplacer ça par une somme sur tout le volume des R2 dm. Hein, c'est-à-dire qu'on découpe le cylindre en plein de petits volumes élémentaires. Volume dv, qui ont donc une masse dm égale rho dv, où rho est la masse volumique par définition. Et ces petits volumes sont à une distance r de l'axe, donc on est implicitement en coordonnées cylindriques. Et on va faire la somme des r2 dm, c'est-à-dire des rho r2 dv, volume, sur tout le cylindre, enfin, sur tout le corps en général. Ça, c'est l'expression générale, quelle que soit la forme du corps. OK ? Alors maintenant, on va faire ça pour... Non ? Oui ? Peu importe l'origine. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que c'est que ce R ? Et ce R, c'est la distance à l'axe par rapport auquel on veut calculer le moment d'inertie. Alors maintenant, effectivement, si on veut écrire là ce dv avec des coordonnées cylindriques, alors on va prendre une origine n'importe où, mais enfin, on va prendre l'axe z des coordonnées cylindriques comme étant l'axe delta, en fait. Donc, je ne sais pas, vous prenez le haut où vous voulez, mais ça n'a aucune importance. Ce qui va compter, c'est donc la distance à l'axe des différentes masses. Donc, on a un angle θ. Alors, je l'oriente de telle sorte que le u delta là, soit orienté vers le haut. On a un angle θ positivement comme ça. Et donc, je vais devoir intégrer ça sur tout le cylindre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, allons-y. Bah, dv, quel est l'élément de volume du cylindre? Donc, on se met en un point. Et puis, on regarde un petit élément de volume quand on passe de R à R plus dr. Ensuite, on a effectivement R dθ là, et puis là-haut, dz. D'accord? Donc, le dv, c'est R dr dθ dz. Très simple. Et donc, I delta, c'est la somme triple sur tout le cylindre de rho. Donc ça va être une constante, c'est la masse volumique du cylindre, de R cube, dr, dθ, dz. Alors, sur tout le cylindre, alors c'est quoi les limites du cylindre? Alors, on va prendre le 0 là, tant qu'à faire. Donc, z va aller de 0 à grand H. Somme de 0, de z égale 0 à grand H. Alors, ok, bon, je vais écrire tout ça d'abord, aller proprement. Ensuite, θ va de 0 à 2π. Voilà. Et R de 0 à grand R. Donc, je vais sortir le ρ qui est une constante. Et donc, j'ai R3 dr dθ dz. Alors, comme on l'avait vu dans un cours précédent, évidemment, c'est pratique, là, les coordonnées cylindriques, parce que, du coup, les limites d'intégration de chaque variable ne dépendent pas les unes des autres. Et donc, là, c'est trois. En fait, cette intégrale triple, c'est le produit de trois intégrales séparées, donc c'est particulièrement trivial. Et on a I delta qui vaut donc rho. Alors, somme de R3 dr, c'est donc R4 sur 4, entre 0 et grand R, donc grand R4 sur 4, fois... Alors, somme de dθ de 0 à 2π, eh ben, c'est 2π. Et somme de dz de 0 à h, c'est h. Et donc, ceci n'est rien d'autre que π sur 2 rho r4h. OK, c'est bien. Maintenant, nous, on veut en fonction de m. Donc, il faut exprimer que rho... C'est la masse volumique, c'est donc la masse divisée par le volume total du cylindre, si c'est homogène. Donc, quel est le volume du cylindre? Alors, rho égale m sur v cylindre. Quel est le volume du cylindre? Pi r2 fois h. D'accord? La surface du disque fois la hauteur. Donc, sur pi r2 h.
Et par conséquent, I delta, c'est, donc si je remplace rho par ça, j'ai un r carré qui s'en va, j'ai un pi et un h qui s'en va, et donc il reste 1,5 de mr2. Miracle! Donc c'est évidemment homogène, une masse fois une longueur au carré. Et ça ne dépend pas de h. Parce que tout ce qui compte, c'est la distance des masses à l'axe. Et donc, peu importe la hauteur, si je squeeze, si je comprime le ressort le long de son axe, ça ne modifie pas la répartition des masses par rapport à l'axe. Donc, si vous avez juste un disque, c'est pareil. Voilà, donc le moment d'inertie d'un cylindre autour de son axe, par rapport à son axe, c'est 1,5 de mr2. Alors ça, c'est bon de le savoir, mais enfin, vous voyez, ça se retrouve en une ligne. Pas une ligne. Ouais, oui, en deux égalités. Allez. Trois. Vous chipotez, hein. Ben, du coup, en le calculant directement sur un disque, et donc en faisant 1,5 de mr2 directement sur le disque, en découpant, enfin voilà, en prenant un élément de surface plutôt qu'un élément de volume. Alors en plus, comme il est symétrique, on pouvait directement intégrer suivant θ, par exemple, et dire que donc la somme double des R2 dm, donc rho ds, on peut directement prendre la surface tout intégrée sur θ, et donc dire que c'est la somme de R égale 0 à grand R de la surface de, donc de R2 fois rho fois la surface de ça, et la surface de ça, c'est 2 pi R dr. Hein, la longueur fois l'épaisseur. Fois 2 pi R dr. Et du coup, ça directement, donc avec simplement une intégrale simple, ça fait donc il y a 2 R cube, donc ça fait pareil, 2 sur 4 R4, enfin 1,5 de R4, grand R4 fois rho, et à nouveau rho, c'est la masse sur pi R2, pardon, il manque un pi ici, et on retrouve évidemment 1,5 de mr2. Là, en une ligne. Voilà. C'est ça, c'est une masse surfacique, exactement. Oui, ce rho, en fait, c'est un sigma, si vous voulez, masse surfacique. Mais oui. Enfin, bref. Évidemment, c'est plus rapide. Hein. Ouais, mais masse surfacique, mentalement, c'est bizarre. Ah bon ? Ouais. D'accord. Bon. Bah, en même temps, oui, enfin, quand vous négligez l'épaisseur, c'est ça, ça revient à ça. Quoi. Ouais, ouais. Alors, la masse linéique, vous voulez une masse linéique pour calculer le moment d'inertie d'une barre pendant qu'on y est. Donc, par rapport à cet axe delta, quel est le moment d'inertie d'une barre? Alors, par rapport à un axe qui passe au bord, par exemple. Donc le moment, ça c'est une barre homogène de masse linéique lambda, pour vous faire plaisir, de longueur L, et donc de masse, enfin, allez, de masse grand M. Je ne vous écris pas le lambda, et on va l'introduire. Et donc, je fais tourner ça autour d'un axe, comme ça, là, et je veux savoir quel est le moment d'inertie autour de, par rapport à cet axe. Eh non, parce que là, il n'y a pas d'ouverture angulaire. Il faut le calculer. Oui. Alors, allons-y. I delta égale somme... C'est pas un résultat qu'on va sortir. Non. Enfin, une fois qu'on l'aura calculé, si. Après, vous le saurez. Mais non, bien sûr. Il faut le calculer. Alors, somme, on va sommer sur toute la barre.
donc de 0, de petit r égale 0 à grand L, de R2 fois la petite longueur, là. Enfin, fois la petite masse du truc qui est entre R et R plus dr. Donc, effectivement, lambda dr. Et lambda, ce n'est rien d'autre que m sur L. La masse par unité de longueur. Donc là, on a bien une masse. Ah, c'est homogène. C'est-à-dire que la masse d'un petit bout dr, c'est la masse du grand L fois dr sur grand L. C'est évident. Et donc, ça fait effectivement un tiers de m L cube sur L, donc un tiers de ml2. Évidemment, c'est à nouveau une masse fois une longueur au carré. Et c'est un tiers. Voilà. Donc là, c'est 1,5 de mr2. Là, c'est un tiers de ml2. Maintenant, la même barre, son moment d'inertie par rapport à son centre. Donc si elle fait grand L au total, on intègre entre moins L et plus L. Alors on intègre entre moins L et plus L. Ouais. Ou bien on ruse. On ruse et on dit que c'est deux fois la demi-barre. Hein, parce que chaque demi-barre a la même répartition des masses par rapport au truc. Donc ça fait deux fois un tiers de M L sur 2 carré. Donc ça fait, ça c'est un quart, hein, attendez. Pardon, chacune fait un demi de la masse aussi, bien sûr. Et donc ça fait bien ce qu'on sait quand on le sait, un douzième de ML2. Voilà, là un tiers, là un douzième, là un demi. Bon, enfin à chaque fois c'est ML2 fois un facteur qui dépend de la géométrie. Si. On ne l'a pas vu, mais on va le voir. C'est parti. Huygens, absolument. Huygens. Théorème de Huygens. Qui nous dit que le moment d'inertie par rapport à un axe delta prime qui est parallèle à l'axe delta, par rapport à l'axe delta qui passe par le centre de masse. Alors je vais l'appeler delta étoile en fait. Voilà. Alors en fait je vais faire comme ça. I delta, c'est I delta étoile plus grand M fois D au carré, la distance entre les deux au carré. Très bien. C'est assez évident parce que ça doit être homogène à une masse fois une longueur au carré. Enfin, c'est évident, disons. Alors, il suffit de l'écrire pour s'en rendre compte. Vous voulez qu'on le démontre en une ligne ou permettre de manipuler les choses? C'est somme des MI HI grand MI au carré. C'est ça le moment d'inertie par rapport à delta. Où HI est la projection orthogonale de MI sur H. Ça va être un vecteur ou pas, c'est la distance au carré. Et je vais appeler KI, la projection orthogonale de MI sur delta étoile. Donc ça, c'est la définition du moment d'inertie par rapport à delta. Somme des MI fois la distance au carré, à l'axe. Et simplement, je vais introduire ici KI. Donc ça, c'est somme sur I des MI HI KI plus KI MI au carré. Et donc, carré de ça plus double produit plus carré de l'autre.
Et donc ça fait somme sur i des mi hik carré plus somme sur i des mi ki mi carré plus 2 fois somme sur i des mi hiki scalaire ki mi. Alors, le HIKI est le même pour tout le monde. C'est D. Enfin, le HIKI carré est le même pour tout le monde, c'est D2. C'est juste c'est la distance entre les deux droites, puisque, entre les deux axes, puisque HI et KI sont tous les deux la projection orthogonale de MI. Donc, ils sont au même niveau, ils sont dans un même plan orthogonal aux axes. Si je prends un autre point ici, le premier va se projeter là, le deuxième là, et la distance entre ces deux projections sera la même qu'ici, c'est petit d. Yes? Ça, c'est d2. Ça, par définition, c'est i delta étoile. Il faut juste montrer que ça, c'est nul. Alors, en fait, il faut une ligne de plus que je n'ai pas. Mais vous introduisez le point G là-dedans et il va sortir un MI, GI, somme des MI, GI, MI, qui est par définition du centre de masse, ça fait zéro. Vous voulez qu'on le fasse ou ça ira? Ça ira. J'y arriverai. Le principe est là, hein, c'est que ça fait zéro en fait. OK. Et donc ça, la somme des MI, c'est grand M, bien sûr. Le truc, c'est que ça, c'est le même pour tout le monde. Tout le monde le voit, c'est que ça, H, I, K, I, c'est D. D'accord. Bon. Quel que soit le point considéré, sa projection sur l'un et l'autre, sa projection orthogonale sur l'un et l'autre axe se trouve dans le même plan orthogonal à l'axe. Et la distance entre les deux, c'est donc la distance entre les deux axes. Donc HIKI carré, c'est D2. Et la somme des masses, c'est la masse totale. Voilà, donc le théorème de Huygens nous dit que si vous connaissez le moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par G, c'est important, n'oubliez pas cet aspect-là, hein, c'est la seule façon d'éliminer ça, alors vous connaissez le moment d'inertie par rapport à n'importe quel axe parallèle à cet axe-là qui ne passe pas par G cette fois. Donc si vous connaissez les moments d'inertie par rapport aux axes qui passent par G, vous pouvez calculer par rapport à n'importe quel axe. Juste en ajoutant MD2, la distance entre les deux axes. C'est magique, oui. Pourquoi c'est D2 et pas D2? Parce que c'est au carré, c'est tout. C'est la somme des... Le moment d'inertie, c'est la somme des masses fois la distance au carré. Ça, c'est... Ouais. Ouais, mais justement, ça, sur lequel je suis d'accord avec toi, du coup, sur le schéma, c'est pas juste D qu'on a là. Là, il y a D, oui. Là, il y a D. D'accord. Et en bas, il est marqué D au carré, mais alors c'est quoi? Non. J'ai... c'est D. Oui. Ah, c'est une distance. Ok, on peut vérifier effectivement que... Donc ça, ce serait delta étoile pour cette barre-là. On passe par son centre de masse. Donc est-ce que ça... C'est-à-dire, est-ce qu'un tiers de ML2, c'est bien un douzième de ML2 plus M fois L sur 2 carré? Et la réponse est oui. Un douzième de ML2 plus M... L sur 2 carré, ça fait, bon, il y a ML2, bien sûr, facteur de 1 douzième plus 1 quart, et magiquement, 1 douzième plus 1 quart, ça doit faire 1 tiers. Parce que ça fait 3 douzièmes, et donc ça fait 4 douzièmes, donc 1 tiers. Yes! Ça marche!
marchera toujours. C'est beau quand même. Bon, fait le bowling alors. Ah non, non, on était sur le moment d'inertie du yo-yo là. Alors allons-y. Bon, eh bien c'est simplement la somme. Alors on a petit R, grand R. Alors, attention, c'est homogène partout, donc il n'y a pas la même masse sur chacun. Alors déjà, il faut calculer la masse en fait. On sait que la masse totale, c'est grand M. Ah, on dit que c'est négligeable là ? Oh, trop facile. Ouais, d'accord, d'accord, ok. Bon, bah, dans ce cas, il y a M sur 2 sur chacun. Lui, il compte pour du beurre en termes de moment d'inertie. Donc on a 1,5 de M sur 2 R carré pour chacun, fois 2. Et donc on a un quart de MR2. Voilà, du coup on peut reporter dans l'exercice et ça simplifie. Parce qu'on avait un I sur MR2 à un moment, bah, du coup c'est un quart. Voilà. Bien. Question ? No question. Ah oui, si vous voulez. Alors, qui veut faire le... Oui, vous ? Je veux bien me lancer. Si ça ne marche pas, je reviens après. Ok. Donc, on fait le bowling, c'est ça, hein ? 21. Mais alors, prenez ça quand même. Donc on s'intéresse à une boule de bowling qui roule sur un plan horizontal dont le référentiel ici de centre haut est supposé galiléen avec les axes définis tels que. Et le vecteur J ici vers le tableau. Donc on suppose que C ici, là on a notre point G, la boule elle avance par là, ça c'est la vitesse de la boule, donc du coup les θ ils sont comme ça, ou plutôt le vecteur oméga, ouais, le vecteur θ point, ou voilà. Oui, enfin, ça c'est effectivement le sens d'augmentation de l'angle θ. Ah, de l'angle, donc je ne mets pas le vecteur. Ouais, mettez θ, effectivement. Enfin, ou oméga, qui est θ point, mais enfin, oui. Okay. Mettez θ, c'est bien. Voilà. Ça, c'est l'orientation des angles. Ok, on nous dit aussi que le point C, c'est le fameux point de contact ouais. Fictif ou pas, en tout cas, de contact à chaque instant entre la boule et le sol. Yes. Et on nous dit que la boule, elle roule sans glisser sur son support quoi. Et on nous dit aussi que cette boule c'est une sphère parfaite, donc elle a un moment d'inertie qu'on pourrait calculer mais qu'on nous donne et qui est égal à 2 cinquièmes de MR2 avec R le rayon de la boule. Yes. J'ai rien oublié comme hypothèse. Bon, j'ai. Vous voyez, dans le cas d'une sphère, le facteur, donc c'est toujours MR2, et le facteur géométrique, c'est 2 cinquièmes. C'est bien de le savoir, c'est un tout petit peu plus long à calculer, on pourrait le faire, mais bon, on ne va pas perdre du temps à ça. Entraînez-vous à le retrouver, ça ne fait pas de mal. Voilà. Ok. Donc en fait, les seules possibilités que le point de contact. Enfin, c'est marqué, hein, mais. J'essaie de traduire. La seule possibilité où le point de contact en fait, ne change pas à chaque instant, c'est soit que la boule est en translation, glisse en fait, sur le support,
soit elle glisse sur le support, ou soit elle glisse éventuellement, mais en tournant sur elle-même. Dis ça. J'ai compris le début de votre phrase. Vous dites cette possibilité que le point ne change pas. En fait, tant que le point de la piste, en tant que point de la piste, ce point de contact n'est jamais le même, donc C n'est jamais le même tant que la boule roule sans glisser, sauf si la boule reste immobile, donc si elle est immobile, il reste toujours le même, ou bien tourne sur place en patinant. Donc tourne sur place en patinant, ça veut dire qu'elle fait ça sur place et en plus qu'elle glisse. Ou comme ça. Ou comme ça, glisse, le point C, il va bouger. La seule façon que le point de contact ne bouge pas, c'est que soit ça ne bouge pas, mais si elle soit glisse, ça tourne sur place. Si elle glisse, le point de contact ne bouge pas. Bah si, ça va être... Mais le point de contact, suivant, ce sera un autre. Oh, mais le point de contact, c'est le même. À l'instant suivant, c'est plus le même. Donc, c'est pas le même. C'est un autre point de la piste, mais c'est le. Mais entre la. Enfin, le truc ici, il n'est pas. Oui, tu veux dire si c'est la boule qui est là, ça s'appelle juste ça. Voilà, c'est ça. Oui, si ça glisse. D'accord. Ça, c'est si ça glisse sans rouler. Oui, je parle de ça, moi. Je parle de ça. Pas si ça roule, si ça glisse sans rouler. Ok. Ok. Bon, bref, enfin. Bref. Allez, A. Sur la question. Exprimer donc, et on nous dit évidemment que oméga, c'est égal à grand oméga fois J. Yes. J comme ça. Donc, 1, exprimer le vecteur, la relation vectorielle reliant la vitesse du point G, VG, le vecteur rotation et la vitesse d'un point M quelconque de la boule. Donc, en lisant ça, on pense à Babar. Ouais. Donc, on dit que V de M... Pense au champ de vitesse dans un solide. Voilà, au champ de vitesse dans un solide. V dans un point M, c'est la vitesse du point G, plus le vecteur rotation scalaire vectoriel G, M. Très bien. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Okay. On dit que la boule roule sans glisser sur la piste si à chaque instant, donc ils nous répètent les trucs. Voilà, donc ils disent montrer que dans le cas que. Pardon, non, je lis quand même. On dit que la boule roule sans glisser sur la piste si à chaque instant T, le point de la boule qui est en contact avec la piste a une vitesse nulle par rapport à la piste. Donc en gros, la condition de roulement sans glissement, c'est, ça équivaut à VC, c'est-à-dire V du point de contact est nul. Très bien. Et donc, ils disent que montrer que dans ce cas, dans le cas où VC est nul, la vitesse linéaire de la boule VG et sa vitesse angulaire oméga sont reliées par une relation qui nous donne qu'on doit trouver VG égale VR. Mais il suffit d'appliquer cette relation au point C. Très bien. VC est égal à VG plus oméga vectoriel GC. Et on dit que c'est nul, ça, puisque c'est la condition. Et ça, ça suppose que donc VG, c'est VG. Enfin, c'est VG scalaire UI. VG UI est égal à moins... Alors, il ne faut pas que je me gourre, là. Oméga, il est bien dans ce sens-là, puisqu'elle tourne comme ça. Oui, mais là, c'est pareil. Ça ne présage pas du sens où ça tourne. Voilà, donc j'écris oméga J, j'allais pas mettre de moins. Parfait. J'ai mis un moins parce que j'ai fait passer de l'autre côté, simplement. Bien, voilà. Voilà. Scalaire quoi GC, et GC, ben, c'est le rayon, c'est moins le rayon vectoriel K, enfin, selon K, moins R. Très bien. Et donc, on peut enlever les mots. OK. Donc, θ, a priori, il est positif puisque... Bah, oméga, comme... c'est θ point. Θ point, ouais. Ou oméga, on vous demande en fonction de oméga. Voilà. Et reste à montrer que J vectoriel... Ah oui, et J vectoriel K, évidemment. J, il est là. Vectoriel K, non. Et c'est selon plus I. J vectoriel K, c'est bien I, voilà. Donc VGI égale oméga RI, donc VG égale oméga R. C'est bon pour tout le monde ? Donc ça égale. Ok.
j'ai décomposé tout selon les, tous les axes en fait. 3. En déduire le rapport sigma delta, donc le moment cinétique par rapport à l'axe delta, sur P, et P, P c'est la quantité de mouvement de notre boule, et commenter. Alors là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, si ce n'est de remplacer par, par les valeurs. Donc J delta par rapport à l'axe delta, c'est le moment d'inertie fois le vecteur oméga qui est selon J. Alors attention, parce que là, vous venez de transformer un scalaire en un vecteur. À gauche, c'est un scalaire, à droite, c'est un vecteur. Donc là... Ouais, pardon. Oui, mais en même temps, c'est sigma delta qu'on vous demande. Ah, ok, d'accord. Alors, j'enlève ça. C'est ça. Donc, sigma delta, c'est sigma scalaire okay, U delta, ouais. Mais le U delta, c'est J, donc voilà, ça fait okay. I oméga, très bien. I oméga, et P, donc, c'est la quantité de mouvement, c'est MV, et c'est le MV du centre d'inertie, ouais. C'est MVG. Alors, c'est la masse totale, je crois qu'elle s'appelle grand M. Si on l'a appelé grand M. Ouais. On a marqué grand M ici. Là, donc, ouais. 5 kilos. Et là, ils disent de commenter. Commentons. On sait que ça, c'est 2 cinquièmes de MR carré. Ouais. Donc, on voit que ce rapport ne dépend pas de la masse, OK ouais. À part ça. Bah, écrivez-le sans la masse, alors, du coup, avec le OK, donc ça fait 2 cinquièmes de R carré VG. Fois oméga. Ouais, vous pouvez peut-être simplifier encore un peu plus. Ouais, VG. VG, on... si on est dans une base polaire. Ah oui, pardon. Ouais, pardon. Ouais. De R carré oméga sur 5 oméga R. Donc, hop, hop, hop. Hop. Donc c'est une constante. C'est classe là. Ça ne dépend que de R. Si ça roule sans glisser, ça, dire qu'on roule sans glisser, ça veut dire que vraiment le mouvement de rotation et le mouvement de translation sont vraiment liés. Il n'y a pas le choix. Si on connaît un, on connaît l'autre. Et c'est de telle façon qu'en fait le rapport entre quantité de rotation et quantité de mouvement, il est fixé. Et en l'occurrence, il ne dépend pas de la masse, il ne dépend que du rayon. Enfin, pour une forme donnée, bien sûr. Il dépend de la coefficient. Bon, bref, ok. Donc, sigma delta sur P, c'est 2 cinquièmes de R. Très bien. Ok. 4. Donc, donner l'expression de l'énergie cinétique de rotation, c'est rotation, et de l'énergie cinétique de translation, c'est translation, en fonction des données du problème. En déduire la valeur du rapport. Donc en fait, on nous demande de calculer EC rotation divisé par EC translation. Ben, on va exprimer les choses. L'énergie cinétique de rotation, c'est égal à 1 demi de la masse totale fois oméga au carré. Vous êtes sûr? Là, c'est le coefficient d'inertie de rotation. Là, vous avez mis la masse. Ça, c'est pas homogène, par exemple. C'est I tétatro carré. C'est I oméga 2. Ah oui, pardon. Oui. Okay. Et l'énergie cinétique de translation, c'est 1 demi de M VG carré. Mais VG carré, c'est ça. Donc, c'est oméga carré R carré. Et donc ça nous donne, alors en remplaçant tout, ouais. I2, donc ça fait M R carré sur 2, oméga carré, là j'avais 1 sur 2, là j'ai 1 demi, je rajoute le 1 demi, M oméga carré, R carré. Ouais. Manque un 2, c'est
Donc, alors, attends, c'était en haut, quand vous avez remplacé i, vous avez mis mr2, c'était 2 cinquièmes de mr2. Ouais, 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 mais tableau, j'ai du mal. 5. J'ai voulu aller plus vite, trop vite. Ok, ouais, j'y vais. 2 cinquièmes, là. Donc, là, j'ai un 2, là, j'ai un 5, et là, j'avais un demi. C'est ça? Non, il y avait aussi un 1,5 de... Non, en fait, regardez, ah oui. Regardez. Prenez juste un 10 cm de recul, et vous allez voir que là, vous avez, si vous mettez ici 2 cinquièmes de MR2, ah oui, oui, okay, vous avez 1,5 de MR2 oméga 2, 1,5 de MR2 oméga 2, donc ça, c'est 2 cinquièmes. D'accord. 2 cinquièmes. Et le nez au tableau, je sais qu'on voit rarement ce... Voilà, 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, ok. Donc, c'est homogène, hein, on fait une énergie sur une énergie, donc ça doit être sans dimension. Et donc, vous voyez que ça ne dépend que justement de ce facteur géométrique qui relie le coefficient d'inertie de rotation au coefficient d'inertie de translation. Donc, pour un mouvement de roulement sans glisser, la répartition de l'énergie entre la rotation et la translation globale du corps, c'est-à-dire l'énergie du centre de masse, si on veut, elle est fixée. C'est 2 cinquièmes. Donc ça rejoint les remarques qu'on avait faites au moment de l'exercice sur le yo-yo. Hein, c'est, vous ne pouvez pas avoir de l'énergie de translation sans avoir de l'énergie de rotation. Parce que le corps, pour se déplacer, il faut qu'il tourne. Bon, là, on l'impose en disant que ça roule sans glisser. Donc forcément, il y a un peu des deux et ça se répartit suivant le rapport entre le moment d'inertie et la masse. Voilà. Donc 2 cinquièmes ici. Très bien, Mathieu. Oui ? Mal à saisir ce que ça nous donne comme information, le rapport du moment cinétique avec la quantité de mouvement. Enfin, ça ouais. C'est quoi comme. Parce qu'on a vu, c'est constant, c'est génial, mais j'arrive pas trop à voir ce que ça bah, fait. Si vous voulez, le moment cinétique, ça équivaut à une quantité de rotation. Ouais. Et ça, à une quantité de translation, en quelque sorte. Donc, ça vous, c'est une autre façon de voir. Le rapport entre. Enfin, de voir le poids global entre la rotation et la translation dans le mouvement. Donc, celui-là dépend de R. C'est-à-dire, si vous avez un grand R, il y aura beaucoup de rotation pour une petite translation. Effectivement, si. Oui. Voilà. Par contre, au niveau énergétique, il y aura la même énergie, enfin, il y aura un rapport constant dans l'énergie de rotation et l'énergie de translation. Bon, c'est une remarque, c'est pas, il n'y a pas forcément grand-chose d'autre à en dire, mais il faut comprendre que l'énergie disponible se répartit entre la rotation et la translation, d'une façon qui est fixée si ça roule sans glisser. Et maintenant, après, ce qu'on va voir, c'est que si on met plus d'énergie dans la translation que dans la rotation, que ce rapport de cinquième, alors ça va patiner au sol. Si à l'inverse, on met plus d'énergie dans la rotation que dans la translation, alors ça va patiner sur place. Un peu comme quand vous démarrez sur de la neige en voiture. Donc, il y a un rapport magique entre l'énergie de rotation et l'énergie de translation qui fait que c'est pile poil, ça roule sans glisser. Ce rapport, bon, c'est 2 cinquièmes. Il ne dépend même pas de l'air. Et... Là, on passe au B. Alors, justement, maintenant, ça va a priori glisser. Maintenant, ça glisse. Donc, on nous dit d'appeler finalement ça. On nous dit, en fait, au préalable d'appeler donc que VG, en fait, c'est égal à oméga 0 sur R. Ça, c'est la vitesse quand il n'y a pas de glissement du centre d'inertie. Non, c'est VG fois R. C'est oméga qui vous plaît. Oui, c'est oméga fois R. Oméga 0 fois R. Du coup, VG, c'est oméga R. VG, oui, pardon. Dans la première partie, on a dit que ça roulait sans glisser. On a vu le rapport entre la vitesse de rotation et la vitesse de translation. Donc, ce rapport qui est donné, donc, enfin, il y a une vitesse critique de rotation
qui est ajusté à la vitesse de translation pour que ça ne glisse pas. Donc cette vitesse-là, on l'appelle oméga 0. Très bien. Voilà. Et donc, la boule ayant une vitesse VG, une vitesse angulaire oméga quelconque, puisque là, on est dans un cas où on ne roule pas sans glisser forcément, exprimé en fonction de R oméga et oméga 0, le cas où la vitesse est telle qu'il n'y a pas de glissement, la vitesse de glissement VC de la boule sur la piste, c'est-à-dire la vitesse du point de la boule coïncidant avec le point C. En gros, on nous demande de calculer VC quand il n'y a pas de glissement. Donc VC quand il n'y a pas de glissement. Disons, ben, on demande de calculer VC. Enfin, pour un cas général. Voilà. De façon générale. Et donc, on a VG, on a oméga, que vaut VC. Voilà, donc VC, ben, ça va être la même chose, sauf que ça ne va plus être égal à 0, puisque VC aura une vitesse. Donc on va écrire c'est égal à quoi? VC, c'est égal à VG, mais VG, donc on nous a donné l'expression, donc c'est égal à oméga 0 R. Et ça, c'est selon I, forcément. Plus un oméga quelconque, qui est selon J, vectoriel, G et C. Et donc G et C, c'est R, moins R, pardon, scalaire, scalaire K. Fois K, ouais. Maintenant, J vectoriel K. Et donc, J vectoriel K, J vectoriel K, J vectoriel K, c'est I. Donc, c'est égal à oméga 0 R plus J oméga R I. Donc on a bien exprimé VC en fonction des données du problème. Oui, alors simplifier cette expression là pour que ce soit joli. R facteur de là, VC est égal à R facteur de oméga 0 moins oméga. Voilà. Donc on retrouve évidemment que si oméga est égal à oméga 0, VC égale 0, c'était la condition qu'on avait. Maintenant, si oméga est plus grand que oméga 0, du coup... Ah oui. C'est-à-dire si ça tourne plus vite que ce qu'il faut pour adapter la rotation à la rotation, si oméga est plus grand... Ça, ce sera négatif. Et donc, VC donc, en va fait, être négatif. Voilà, ça va tourner dans l'autre sens. Voilà, ça va patiner. Voilà. Ouais. Et si oméga est plus petit, ça va glisser. Ça va glisser. Alors du coup, après la question, c'est comment se manifestent les frottements dans les différents cas. Donc effectivement, dans un cas, ça va participer au mouvement. Dans l'autre cas, ça va ralentir le mouvement. Ok, alors 6, je vais effacer un bout. On va voir. VC, ça vaut ça. Donc, simplement, effectivement, VC est soit dans le sens du mouvement, soit dans l'autre sens. Donc, soit F, petit f, est égal à F, I, la force de frottement associée au glissement de la boule sur la piste, exprimer la valeur, algébriquement la valeur de F, en fonction du coefficient de frottement mu dans les trois cas suivants. Donc si jamais, les trois cas c'est si A, si oméga 0 est plus grand, oméga est plus grand que oméga 0. Donc si oméga est plus grand que oméga 0, ça c'est négatif. Si ça c'est négatif, on voit que la vitesse elle est suivant moins I. Et si la vitesse elle est suivant moins I, alors le coefficient de frottement est à son opposé, donc il est suivant plus I. La force de frottement. Donc sin 1, alors... VG est égal à VGI, moins VGI. C'est bien d'écrire ça ou c'est pas non, bien? Non, en plus c'est pas G qu'on veut, c'est VC. VC, ouais. Mais non. Ça n'a pas d'intérêt? Non. Ouais. Ok, bon, j'écris directement. Alors, écrivez la force de frottement. F est égal à... Donc, mu. Donc, s'il y a glissement,
s'il y a glissement, c'est égal, enfin on sait que quand il y a glissement, c'est égal à mu fois la réaction tangentielle, ici, normale, je veux dire, pardon. Ouais. Et cette réaction normale, elle compense à tout le moment le poids de la boule. Donc on peut dire que c'est égal à, en norme, à mg. Et la et le frein, c'est selon J. Selon I. Ouais. Tout le monde est d'accord avec ça? Très bien. En fait, on dit qu'on le coefficient de frottement dynamique ou statique, c'est le même, donc on ne prend pas de trucs différents. Donc la norme, c'est mu fois mg. En fait, ça, c'est égal à... Ça, c'est égal à... C'est pas la peine, mais ça, soit dit en passant. Oui, ça, c'est égal à Rn. Ouais, ça, c'est la norme de Rn. Ça, c'est Rn. Donc, le frottement en norme, c'est mu fois la réaction normale qui compense le poids. Donc, c'est mu mg. Et effectivement, si oméga est plus grand que oméga 0... Alors, VC va vers la gauche, donc le frottement s'oppose à ce mouvement de glissement, et donc le frottement est vers la droite. Donc, si on n'est pas dans le cas contraire, ben, y a juste le un signe moins qui va arriver. F est égal à... Pas assez vite. Enfin, si la boule ne tourne pas assez vite, si l'oméga est trop petit, ouais. Ça glisse vers l'avant, donc le frottement s'oppose à ce glissement vers l'avant, donc le frottement est vers l'arrière, le signe moins. Évidemment, si c'est égal, c'est nul, c'était K d'avant. Et si c'est égal, il y a un frottement dynamique. Non, statique, du coup. Statique, je... La vitesse de glissement devient nulle, et donc... ah oui, alors là... Donc, mais il y a quand même un frottement, sinon elle ne roulerait pas. Eh bien... On peut simplement dire que la force, elle est plus petite que... elle est plus petite que cette valeur-là, que mu d réaction tangentielle. C'est la seule chose qu'on peut dire quoi, sur F. Non? Oui, non, mais okay. À ce stade, on va dire oui. Mais il faudra qu'on commente après. Ça dépend comment... Non, on peut dire que c'est nul, en fait. D'accord. Ah, quand, oui. quand ça... Quand il n'y a pas de force, en fait. Intéressant ça. Il n'y a pas de force qui tire sur le Alors. Pourtant, rouler sans glisser, ça suppose qu'il y a quelque chose qui accroche, sinon ça glisse justement. Non, c'est pas nul, du coup, en fait, ça ne travaille pas. L'argument n'est pas recevable dans le sens où si votre argument c'est la vitesse est nulle donc ça ne travaille pas, alors ça ne travaille pas parce que la vitesse est nulle, d'accord ? Donc quelle que soit la force, de toute façon la puissance serait nulle. Donc ça présage pas de... Enfin, ça n'implique pas que la force soit nulle. Mais je sens que vous avez l'intuition... La force de frottement est là pour réagir avec d'autres forces normalement. Donc s'il n'y a pas de... qui agit sur la boule, là, si elle est lancée avec un oméga de oméga 0, on va dire en position initiale du problème, donc la boule elle est lancée telle qu'elle, et il y a pas de force qui va tirer d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de réaction. Tout à fait. Il n'y a pas de composante. Tout à fait, et donc si on va au bout de ce raisonnement, on s'aperçoit que même si on n'avait pas de frottement, on aurait quand même roulement sans glisser. Ah, yes. Voilà, s'il n'y a pas de frottement, vous êtes sur de la glace ou enfin un truc même sur une table à coussin d'air, il n'y a pas de frottement. Si vous lancez la boule avec une certaine vitesse de translation et la bonne vitesse de rotation qui est ajustée suivant ça, eh bien ça va rouler. Il n'y a aucune raison que ça cesse
de rouler avec la même vitesse angulaire. C'est le principe d'inertie, en fait. Elle continue dans son mouvement rectiligne uniforme. Comme le point de contact, en fait, et son point d'inertie, bah, il n'y a pas de problème. En fait, et même, il faut que la force soit nulle. C'est pour ça que je pense qu'on peut dire même là que la force doit être nulle, parce que si la force n'était pas nulle, alors il y aurait un moment qui modifierait l'oméga. Mmh. Ok, ouais. D'accord. Donc en fait... Et on n'aurait plus oméga égal à oméga 0. Alors, oui, à l'instant donné, ce serait le cas, mais après, ce ne serait plus le cas, du coup. D'accord. Donc effectivement, lorsque ça roule sans glisser, en fait, la force est nulle. Mais suivant comment vous lancez le problème, ça, c'est effectivement, quelle est votre condition initiale, c'est parce qu'il y a des frottements qu'elle va se mettre à rouler, si vous la prenez au repos et que vous la poussez comme ça, par exemple, c'est effectivement les frottements qui vont la faire rouler, mais une fois que ça roule, c'est parti, il n'y a plus de force de frottement. On va voir quand on va résoudre la troisième question, qui est vraiment la dynamique complète du problème, parce que là, on n'a pas encore résolu la dynamique, on a juste fait de la cinématique. Comment ça se passe, dans quel sens sont les glissements, on en déduit dans quel sens se trouvent les forces, et maintenant, on va écrire l'équation du mouvement. Que se passe-t-il maintenant si on lance la boule, comme ça, comme au bowling, vous la lancez typiquement sans la faire tourner, et on ne considère pas les effets latéraux, juste une dimension. Un axe de rotation. Et donc, que se passe-t-il? On sait tous ce qui se passe en pratique. Au début, ça glisse, puis au bout d'un moment, ça se met à rouler. Et puis, une fois que ça roule, ça continue à rouler. Vous n'avez pas joué au yo-yo, mais vous avez joué au bowling. Ah, bon. Oui. C'est la vitesse de rotation initiale. Là, c'est pas précisé. Maintenant, on va faire de la dynamique. Mais ce que je disais juste là, c'est que si le mouvement initial, si on lance la boule avec oméga 0, avec une certaine vitesse Vg et le oméga 0 correspondant, c'est-à-dire juste Vg sur R, alors ça va rouler sans glisser, mais pour autant, il n'y aura pas de frottement. Ok, donc là on nous dit que ça roule, donc on l'envoie la boule, et on suppose dans les conditions initiales qu'en fait on l'envoie sans la faire tourner, donc oméga égale 0, par contre elle a une vitesse de translation V0. Et on nous demande à partir de là de montrer que la boule va se mettre à tourner, enfin d'abord de faire un bilan des forces, et de montrer ensuite que la boule va se mettre à tourner en précisant le sens de rotation. Donc, bilan des forces, on pense au PFD. En plus, comme il n'y a pas ça, ça sera relativement simple. Donc, on applique le PFD. Oui, j'avais raison là. Oui. Je fais en même temps que je découvre. Oui, très bien. Donc, MA. MA, ça va être MVG, MVG point. MVG point, je n'ai pas besoin de projeter parce que tout se fait sur I. OK. Donc, sur I, PFD sur I. MVG point est égal à toutes les forces. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force? On a le poids. Oui, mais si tu projettes sur I, c'est pas possible. Ah oui, d'accord, c'est pas sur I, ouais. On a juste le frottement, ouais. Voilà. On a juste le frottement. Donc, et le frottement, il est dans ce sens-là. Donc, on est dans le cas, effectivement, oméga est nul. Donc, a fortiori, c'est plus petit que oméga 0. On est dans ce cas-là. Donc, effectivement, le frottement, vous venez de le calculer, c'est moins mu mgi, donc projeté sur i, c'est d'accord. Juste moins mu mg. Oui. Le frottement, du coup, sur l'application ici, c'est g aussi. C'est le point de contact. C'est là où il y a le point de contact. Oui, non, mais c'est un point de contact. OK. Oméga inférieur. On est dans ce cas-là, puisque quoi d'ailleurs, puisque oméga égale 0. On le lance avec oméga égale 0. Donc, à coup sûr, donc, c'est plus petit. Ouais, okay. Donc, au début, c'est plus petit. Tant que c'est plus petit, l'équation du mouvement, c'est ça. Après, c'est pas garanti que ça restera tout le temps plus petit. Justement, on sait bien en pratique qu'au bout d'un moment, elle va se mettre à rouler, la boule.
Montrer que la boule va se mettre à tourner. Montrer que la boule va se mettre à tourner. VG, on peut dire que c'est égal à... On avait vu une relation avec R, qui était égal à quoi ? VG est égal à oméga fois R. Voilà, c'est ça, non ? Oméga fois R. J'ai le droit d'appliquer de la... Non, ça c'est si ça roule, pardon. Si ça existe pas, disons. Montrer que la boule va se mettre à tourner. C'est quoi la condition ? Enfin, non, je vous laisse d'abord. Alors, pourquoi ça va se mettre à tourner ? Absolument, voilà. Il y a cette force. Alors, cette force de frottement, on a cette force-là, d'accord ? Cette force ralentit la boule, ça c'est son aspect, c'est son effet de translation, mais ça a un effet de rotation par rapport à G aussi. Autour de cet axe-là, cette force-là a un moment qui va la faire tourner comme ça. Ah, c'est qualitatif en fait, ce qu'ils attendent ici, c'est pas calculatoire. Oui, enfin, il va falloir la calculer aussi. Oui, après, mais après, je veux dire, dans cette question, là, il n'y avait pas TMC. Donc, pourquoi ça se met à rouler ? Parce qu'il y a un moment qui n'est pas nul, et donc d sigma sur dt égale la somme des moments, c'est pas égal à 0. Au début, ça tourne pas, mais il y a un truc qui fait tourner. Il y a un moment, donc ça va tourner. Et le fait que ça tourne, ça n'accélère pas le mouvement de translation ? Ah, on va voir. Mais en même temps, non, le mouvement de translation, vous l'avez ici. Hein. Vous avez déjà la réponse ici. Ça, c'est la vitesse de translation. Ça dérive. Celle-là, elle est négative. Il ne peut rien. Ça frotte vers l'arrière, donc ça va ralentir la boule. Enfin, ça va ralentir la translation de la boule. Oui. Et du coup, on ne prend pas en compte un autre mouvement qui serait un mouvement de rotation. Lui, surviendrait par-dessus et qui accélérerait peut-être le mouvement de translation. Mais pour accélérer la. Attention! M dvg sur dt égale somme des forces. Tout ce qui est capable de faire accélérer g, enfin de modifier vg, ce sont les forces. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur la boule ? Bon, le poids, la réaction, ça s'annule. Donc il n'y a que le frottement. Et le frottement, il tire vers l'arrière. Donc il n'y a rien d'autre qui peut intervenir. Pour changer la vitesse de g, il faut une force. La seule force présente, à part les deux qui se compensent, c'est le frottement. Donc non, va ralentir, point final. C'est rigolo, si on fait tourner un truc, on le fait tourner, admettons, dans le au-dessus du sol, là, puis on est sur le sol. Ah oui. Ah voilà, c'est ça ma question. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, vous avez un oméga qui est plus grand que le oméga critique du roulement sanglié, et du coup, F, il est vers l'avant, du coup. Et donc c'est le frottement qui l'accélère maintenant. Attention, hein, un frottement, ça peut générer un mouvement. Si vous faites... quand on joue au cerceau, souvent on fait ça. Vous avez déjà joué au cerceau. Non, la semaine prochaine on change. Donc vous faites un grand coup comme ça et ça part. Et là c'est le frottement qui fait partir. Parce que oméga est plus grand que l'oméga critique et donc le frottement. Le glissement serait par là, donc le frottement va par là, donc ça tire G vers là. Voilà. Bon alors. Ok, donc on a répondu à la question 7. Ok. Oui, il y a la version moonwalk. On pourrait faire un exercice de moonwalk. Ouais, c'est marrant. Donc, en appliquant le théorème du moment cinétique, il termine l'évolution de la vitesse angulaire de la boule en fonction du temps tant que oméga est plus grand que oméga 0. Parce que c'est vrai que quand on pousse, donc il y a un sens, mais en fait, ça. Ouais.
Oui, il y a plus, il y a recul en, en, en poussant le sol vers l'avant, en fait. Si ça vous pose un problème que les forces de frottement puissent générer un mouvement, non, parce que sinon, c'est que vous ne savez pas marcher. Hein. Quand on marche, c'est ça qu'on fait. Il y a la force de frottement qui nous pousse vers l'avant. Nous, on pousse la Terre derrière, la Terre nous pousse devant. C'est bien le contact qui nous amène. C'est bon ? Oui ? Bon, ouais. Alors, effectivement, sur la boule, ouais. La boule se met à tourner parce qu'il y a un parce qu'il y a une force qui a un moment, et donc on va maintenant décrire le mouvement de rotation en appliquant le théorème du moment cinétique. Alors, où vous l'appliquez au point G? Très bien, ouais. Il aurait fallu le faire sur C, non? Ah, si vous le faites sur C, ma force de frottement, elle va partir. Si vous le faites sur C, le problème, c'est que la force de frottement a un moment nul. Voilà, et on en a besoin puisque c'est elle qui porte l'expression de, et donc on, de θ. Donc ça a l'air d'être contradictoire. Parce que si vous faites la somme des moments au point C, les trois forces, le poids, la réaction et le frottement, elles s'appliquent. Enfin, elles passent toutes par C, elles ont tout un moment nul. Ouais. Donc, d de sigma sur dt égale somme des moments égale 0. Donc, d de sigma sur dt égale 0, donc il n'y a pas de rotation. Ben, c'est l'hypothèse du point C, en fait. C'est à cet endroit-là, et à cet endroit-là, il n'y a pas de y a pas vitesse. on vient de là. Donc, appliquons le théorème du moment cinétique au point C. Non, mais moi je dis G, mais si on le fait au point C, D de sigma C sur DT égale 0, puisque somme des moments égale 0. Donc si D de sigma C sur DT égale 0, bah, sigma C égale constante. Et comme au début ça ne tourne pas, ça ne va jamais tourner, c'est constant. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de rotation initiale. Oméga égale 0, c'est un point qui n'appartient pas à la somme. Sachant que la boule est prise de B. C'est un point qui bouge, surtout, en fait. On ne peut pas appliquer le théorème du moment cinétique à un point qui n'est pas fixe, sauf si c'est le point G. Mais vous voyez, parce que là, on tombe sur un paradoxe, sinon. La somme des moments en C est nulle, néanmoins, D sigma C sur DT, ce n'est pas du tout 0. Mais le théorème du moment cinétique ne s'applique pas en un point mobile. Donc, tous les points de la boule sont mobiles, donc pas de chance, sauf que par chance, en G, on peut quand même appliquer le théorème du moment cinétique, toujours. Donc, là, on n'a pas de choix, en l'occurrence. Donc, voilà, appliquons le théorème du moment cinétique en G. Et alors là, pour le coup, alors, le poids et la réaction passent par G, donc ça, ils ont un moment nul, et donc il n'y a que le moment de la force de frottement, très bien, 0 plus 0, plus, voilà. Alors maintenant, il faut calculer le moment de la force de frottement. Alors, le moment de la force de frottement, c'est, j'écris son expression d'abord, c'est R, RK, moins RK, vectoriel. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est GC, vectoriel, c'est GC, la force. Vectoriel, la force, et la force, elle est suivante. Vous l'avez effacé, mais c'était moins, moins mu, MGI. Donc ça fait R, U, MG, et K vectoriel I, K il est où? Il est comme ça, I il est comme ça, c'est selon justement J. Très bien. Alors vous pouvez vérifier qu'effectivement, la force de frottement qui est par là tend à faire tourner la boule dans ce sens-là, c'est bien suivant J. Parfait. Alors reste à exprimer sigma G. On a répondu ou pas? Je pense qu'on veut θ. Détermine l'évolution de la. Ok, donc on veut oméga. Ok. Oui, donc ça, je n'ai pas exprimé. Donc ça, c'est I oméga, ou θ point, on va dire, puisqu'on veut la vitesse J. Donc je peux enlever les J
est projeté sur, là, c'est sur J. Alors attention, c'est D de I oméga sur dt, donc c'est I oméga 2 points, enfin, oméga point, I theta 2 points. Voilà. Bien, ben voilà. Donc on a un θ de point. Donc certes, θ point égale 0 au début, mais on a un θ de point qui en l'occurrence est constant. Donc on a un mouvement uniformément accéléré, un mouvement de rotation uniformément accéléré. Donc θ point fait d sur dt de ça. G sur I dt, ouais. Et en intégrant, si on intègre entre deux instants, entre θ.0 et θ.1, et là entre 0 et t, on trouve que, et on prend les conditions initiales qui sont ici, on trouve que θ.2 de t est égal à tout ça fois t. Ah non, il y avait une vitesse initiale V0. Non, mais ça, c'est θ. Donc, θ point égale 0 au début. C'est très bien. Pas fait de bêtises. MGR sur IT. Très bien. Ça va à tout le monde, ça? Encadrer peut-être le résultat. Voilà, c'est chouette quand même. Donc on voit à quelle vitesse. Donc la boule se met à tourner de plus en plus vite sur elle-même. C'est proportionnel au temps, parce que son accélération angulaire θ de point est constante, juste le moment de la force. Okay. Donc oméga augmente de plus en plus. Et donc va arriver un moment où ce oméga est égal à oméga 0. Alors, oui, continuons. Et là, il n'y aura plus de force de frottement, donc ça va glisser. Non, donc ça va. Donc, la vitesse. Ah non, ça va continuer à rouler. Mais voilà, ça va continuer à rouler sans glisser. Sans glisser. Puisqu'il n'y aura plus de force de frottement, donc il n'y aura plus de moment. Le moment ici deviendra nul, donc sigma va rester constante. Et s'il n'y a plus de force de frottement, Vg point aussi va rester constant. Donc à partir du moment où ça roule, il n'y a plus d'accélération angulaire, il n'y a plus d'accélération de translation linéaire. Et donc c'est un mouvement maintenant perpétuel. Ouais. Ok. Jusqu'au qui ? Écrire par ailleurs l'équation donnant l'évolution de la vitesse linéaire de la boule Vg et déterminer cette vitesse en fonction du temps. Alors tout à l'heure, on avait appliqué le PFD. Ouais. Et donc on avait, dans le cas où où il n'y avait pas de rotation, ouais, on l'avait fait là. Et donc du coup, on avait une relation du type... Oui, même s'il y a rotation, ouais. On avait une relation du type... PFD, donc c'est ouais, MA, grand M, Vg point, est égal à la somme des forces, c'est-à-dire la force de frottement moins mu Mg. Voilà, donc PFD sur I. Voilà, et donc à partir de là, ben, on peut de la même manière dire que Vg de T en intégrant est égal à moins mu. Le petit m et le grand m, c'est le même, hein. Oui. On est d'accord. Ouais. Moins mu g. Moins mu g t. Ouais. Alors, est-ce qu'il y avait une condition initiale? Oui, et plus oui. V0. Voilà, on démarre à V0. Donc, ce que vous voyez, c'est que. G à t égale 0. À cause du frottement. La vitesse, en fonction du temps, la vitesse Vg décroît linéairement. Jusqu'à...
Alors, jusqu'à... Jusqu'à T. Jusqu'au moment où, pendant ce temps-là, oméga, alors, c'est pas le même axe, c'est pas les mêmes... Voilà, oméga part de 0, et lui augmente linéairement. Alors, si on écrit, en fait, oméga sur R... R oméga, comme ça, ça va être les mêmes unités. Voilà. Donc, il y a V0 qui décroît linéairement. Il y a R oméga qui croît linéairement. Il y a un moment, ils vont se croiser. Et quand ils se croisent, quand R oméga égale V0, alors à ce moment-là, on est dans la condition où il y a sa roue qui sont glissées, où on n'a plus de frottement, et du coup, ça s'arrête. Et... Donc, le mouvement, c'est ça. C'est la vitesse décroît linéairement jusqu'à rencontre. Excusez-moi, je vous court-circuite, mais pendant ce temps-là, R oméga augmente, et une fois que R oméga et V sont constants, voilà. Enfin, sont égaux, ça reste constant. Parce qu'il n'y a plus de force de frottement. Ça, c'est la vitesse de rotation, et ça, c'est la vitesse de translation. Ça, c'est R oméga. Ok. Et ça, c'est VG. Ok. Alors, quelles sont les autres questions? Déterminer l'instant T1 auquel... C'est bon, hein, c'est intéressant. Il n'y a pas grand-chose en même temps. Hein. Il y a juste, on a écrit un PFD, un TMC. Un moment cinétique. C'est très simple. Hein. À chaque fois, il n'y a qu'une équation et une inconnue. Mais voilà. Ouais. Déterminer l'instant T1 auquel la boule cesse de glisser sur la piste. Ben, c'est ce que vous venez de dire, c'est l'instant qui correspond à cette condition. Ouais. Donc là, on a T1. Et à cet instant, donc, on a VG qui doit être égal à R oméga, c'est ça. Alors, c'est bien, écrivez ça. Tout le monde voit hein, le problème là. Ouais. Ça revient, on sait que la vitesse de glissement est nulle quand VG égale R oméga. Parce que la vitesse de glissement, c'est VG moins R oméga, c'était la première question. L'instant T1 correspond à R oméga égale VG. Et R oméga et VG, on l'a là. Oméga, on l'a là. Ouais. Donc, on a R oméga aussi. Donc, on a ça équivaut à R carré mu en thème G sur I fois T1. Fois T1, ouais, mais ça va simplifier. Ah oui, d'accord, on va le mettre en facteur, ok. T1 égale à moins G T1 plus V0. Là, mes petits M, c'est des grands M. Ouais. Enfin, il n'y a que un M dans l'histoire. Ouais, voilà, et ça simplifie pas. Il faut T1, égal. Ouais, T1 ouais. Égal, ok. Donc, alors, T1. Si ça se simplifie quand même, parce que I, c'est 2/5 de MR2. On va le faire étape par étape, si vous le permettez. Ouais. T1, donc ça fait... T1 est égal à V0 sur R carré mu MG plus mu G. Fois I. Non, j'ai fait une bêtise. Non, parce que le I, il est que... Il est que là. Non, il est que ah, sur il est lui. Que là. Ouais, ouais. Ok, pardon. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon. Ça, c'est pas beau, ça, non? Ça peut être beaucoup... Si, c'est beau. Enfin, si. Disons, ça simplifie. Ça peut être plus... On est content parce que c'est homogène, quoi. Enfin, I, c'est du MR2. Ouais. Donc, c'est bien homogène comme il faut. Simplement, c'est pas de MR2, c'est 2/5 de MR2. Donc, soit... Ok, donc M, c'est... non, pardon. I, c'est 2/5 de MR2. Ok, donc ça fait V0 divisé par le RI par le MI par. Ça fait mu G. Et le 2/5, on garde... Alors, sauf que c'est 5/2, du coup, parce que le i est en bas, c'est 5/2, attention. 5/2, ouais.
plus mg. Voilà, donc 5 demi plus 1, ça fait... Ça fait combien? 5 demi, c'est 2 et demi, plus 1, ça fait 7 demi, ouais. Et donc 2 septièmes. Enfin, en passant par au-dessus. 2 septièmes de mu0 sur... De v0, pardon, v0, excusez-moi, de sur mg, voilà. Voilà, sympathique. Alors vérifiez que ça. Que, alors vérifiez l'homogénéité et ensuite qualitativement que ça va bien, ça joue bien comme on s'y attend. Donc là on a des mètres par seconde. Là on a un coefficient sans dimension fois une accélération. Donc on a bien des secondes là. Voilà, donc c'est homogène. C'est et homogène, alors maintenant. Ouais. Si mu est, faites tant de mu vers 0 et puis mu vers l'infini, est-ce que ça va bien dans le bon sens? Donc s'il n'y a quasiment pas de frottement. S'il n'y a pas de frottement, mu vers va vers l'infini, mu tend. Il n'y a pas de force, donc en fait ça va glisser, il n'y a rien qui va le mettre en mouvement. Donc, l'instant où ça va se mettre à glisser tend vers l'infini. Tend vers l'infini. C'est bon. Ouais. Et à l'inverse, s'il y a des frottements colossaux, très rapidement ça va se mettre à glisser. Donc c'est bon. Voilà. Ça a du sens. Ok. Joli. What else? Décrire qualitativement l'évolution ultérieure du mouvement. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a fait là. C'est une certaine heure, quoi. Ouais. On finit juste ça, alors, du coup. Non. Ah non, d'accord. Ah oui, parce qu'il reste encore beaucoup. Oui. Ok, bah next time alors. Attendez, on est où exactement? Décrire qualitativement. On est à la 11. Oui, mais on est à la 11, on est d'accord. On vient après, de ça dire. Roule sans glisser, ouais, jusqu'au bout. Au-delà de bon. Ça. Ouais, ça fait ça. Et il n'y a plus de force. Donc on a un mouvement libre. Ok, ok. Bon, on s'arrête. Ou enfin, mouvement, oui, rotation libre. Pour le 11, on dit quoi? L'évolution du mouvement, c'est décrire qualitativement l'évolution du mouvement. Ah, c'est ça, en fait. Ça, ouais, ouais, d'accord. C'est ça. Ça, c'est... Pour T supérieur à T1. Oui, ça glisse pas. La vitesse de glisse à cet endroit-là, la vitesse de glisse est nulle. Et donc, il n'y a plus, si ça glisse plus, ça va, tu t'amuses. Il n'y a plus de force. Ouais. Il n'y a plus de force. Au moins, c'est passé vite. Ça le micro. Il n'y a rien qui demande. Et donc, ça va bien. Donc, dans l'expression du théorème du moment cinétique, il n'y a plus de force. Donc, sigma est la constante.